Merci, Agrava. Et ben, il m'a piqué mon premier slide en fait en définitive parce que tu as tout dit, donc effectivement fondateur et CEO de BeHappy, donc j'ai passé la slide assez vite. Encore une fois je vais parler de cash, mais cette fois-ci pas tout à fait le même cash que d'habitude. Alors pourquoi parler de cash encore une fois? L'idée c'est que effectivement en 2016 la performance c'est primordial sur pas mal d'aspects, sur l'aspect référencement où effectivement le site doit être rapide pour les moteurs de recherche et effectivement tout simplement pour vos internautes, ceux qui viennent sur vos sites, il faut que le site soit rapide, sinon ils sont bons parce que attendre 3 secondes la génération d'une page de nos jours c'est compliqué. Donc encore du cash, et effectivement quand on parle de cash dans l'écosystème de WordPress, on parle de beaucoup de choses en définitive. Alors il y a le plus connu, il y a effectivement le cache statique. Alors c'est les fameux plugins WP, Supercache, les amis de WP Rocket qui font effectivement du cache statique. Donc l'idée principale est de prendre la génération HTML de la page, la mettre en cache, et donc en définitive la servir aux autres personnes. On parle aussi de cache HTTP, donc le fait de faire en sorte que les fichiers CSS, les fichiers JS soient bien mis en cache dans les navigateurs. Donc ça effectivement c'est tout aussi important. Alors, un peu plus méconnu, mais tout ce qui est cache opcode, alors là on est davantage côté serveur, côté système, où finalement l'activation d'un cache opcode qui est très répandu sur les hébergements mutualisés va permettre d'optimiser les temps de traitement vraiment PHP pur. Depuis PHP 5.6 et PHP 7 notamment, c'est complètement intégré, on n'en parle même plus, c'est natif à PHP, d'où l'augmentation des performances. Plus rare, mais qui existe quand même dans l'écosystème WordPress, c'est le cache SQL, où on va venir mettre un plugin pour les requêtes SQL, les diminuer, faire en sorte qu'on ait moins de requêtes SQL à la génération des pages. C'est un module qu'on retrouvait beaucoup chez OVH à un moment donné. Et enfin, le cache objet, peut-être le plus abstrait de toutes ces notions, qu'on retrouve sur des projets un peu plus conséquents, parce que certains prérequis, certaines dépendances. Alors le cache objet, qu'est-ce que ça englobe? L'idée, c'est de vouloir mettre en cache, non pas une requête SQL, non pas la totalité de la page, mais des traitements intermédiaires. Vous allez récupérer les offres d'emploi sur un service externe, eh bien on va prendre ces offres d'emploi, on va les mettre en cache et on va s'éviter d'appeler à chaque génération de page, d'appeler effectivement le service en question. Donc l'idée c'est de prendre des traitements intermédiaires, une requête SQL, trois requêtes SQL qui sont liées, et de prendre les données, de mettre les données en cache et de les utiliser par la suite. C'est pas vraiment une nouveauté dans WordPress. C'est peu connu, c'est peu répandu, mais c'est vraiment pas nouveau. Depuis la version 2.0, donc là on monte quand même à 6 ou 8 ans en arrière, c'est une fonctionnalité qui est présente. Elle a toujours été peu utilisée, plutôt pour des sites à haute fréquentation. Elle a été refondue dans la version 2.5 et elle est utilisée depuis vraiment, et j'expliquerai c'est quoi un petit peu l'objectif de cette refonte par la suite. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre du cache objet en définitive? Le cache objet va vous permettre intrinsèquement, et c'est aussi le titre de la conférence, de réduire le nombre de requêtes SQL, mais ce n'est pas tout. L'objectif, ce n'est pas que de réduire le nombre de requêtes SQL. C'est également de faire en sorte que toutes les fonctions un peu complexes de votre applicatif, que ce soit des accès à des services externes, Facebook, Twitter, des offres d'emploi, puissent être mis en cache, que des accès disques, alors on en parle effectivement sur des architectures un peu plus évoluées, mais l'accès au disque dur, c'est toujours un point de ralentissement. Et donc l'idée, effectivement, c'est qu'on va essayer de réduire les accès disques. Si à chaque génération de page, vous allez lire un fichier CSV, par exemple, eh bien, à haute fréquentation, ça peut devenir vraiment un point de ralentissement de votre applicatif. L'avantage du cache objet, c'est que c'est l'un des rares caches qui s'applique à la fois au front office et au back office. Donc on va améliorer les performances du front office, donc ça c'est important pour les internautes, et on va améliorer les performances du back office, ce qui à 100-200 contributeurs en simultané dans un back office peut s'avérer très utile. Parce qu'effectivement, les journalistes,
cliquer sur créer un post et attendre 3 secondes, voilà, au bout de 10 fois dans la journée, ça peut fatiguer. Donc le cache objet, ça va effectivement intervenir sur les deux aspects. Enfin, et c'est aussi l'un des avantages du cache objet, c'est que ça s'applique à tout type de projet. Vous êtes sur un projet BuddyPress, vous allez difficilement pouvoir mettre en cache avec WP Rocket, avec des plugins de cache statique, mettre en cache la totalité de la page. Chaque internaute possède effectivement ses propres contenus, a ses propres menus, etc. Et donc c'est là où effectivement le cache objet va prendre tout son sens, parce qu'on va pouvoir effectivement mettre en place un cache qui fonctionne en mode connecté. Donc les personnes qui vont être connectées à l'application, donc avec WordPress, vont également bénéficier du cache. Donc c'est vraiment la fonction un peu universelle, et le cache qui s'applique à un peu tous les contextes. Concrètement, ça marche comment ? Donc pour vous montrer la chose, je vais vous faire une petite démo. Donc j'ai installé un WordPress, j'ai activé un thème premium. J'ai activé un thème premium, j'ai mis le contenu par défaut. Voilà, classique. Et j'ai rajouté une petite extension qui me donne le nombre de requêtes SQL. Donc voilà, pour générer cette page d'accueil, j'ai droit à 148 requêtes SQL. Elle est générée en 22 millisecondes. 148 requêtes SQL pour une home page, ça commence à être un chiffre conséquent. Si vous multipliez ce chiffre par le nombre de pages, ben vous pouvez vite effectivement avoir un point de ralentissement qui porte sur la requête SQL. Je vais activer le cache objet. Alors, je vous expliquerai un peu derrière le mode de fonctionnement. Hop. Je suis déconnecté. Je recharge ma page. L'effet démo fonctionne. Cool. Presque. Je suis passé de 148 à 75. J'ai simplement divisé par deux, sans aucun travail sur l'applicatif, le nombre de requêtes SQL générées. Et le nombre de requêtes SQL ne fait pas tout. Je suis passé de 250 millisecondes de génération à 9. Donc l'idée, effectivement, l'activation du cache objet, pas très compliqué, on verra par la suite, permet effectivement un gain important. Alors on n'est pas sur un facteur 10 comme l'intitulé de la conférence, mais nativement on est sur un facteur 2. On va pouvoir diviser par 2 le nombre de requêtes SQL. Appliquer ça à des projets où, pour le coup, c'est un peu plus mal développé, où vous avez par exemple un WPML, vous allez passer de 150 à 300 requêtes SQL, vous allez pouvoir gagner toujours divisé par 2. Et si c'est vraiment très mal développé, vous allez pouvoir, nous on est déjà passé sur des projets, des cas clients, de je sais plus, 2000, 3000 requêtes SQL pour générer une page à 100 ou à 200. Donc on peut vraiment gagner, on peut se rapprocher du facteur 10 clairement. Donc concrètement, comment ça marche dans le code ? Parce qu'effectivement, là on vient de voir un petit peu effectivement ce qu'on pouvait espérer. Et comment ça s'implémente ? Alors, je ne vais pas vous faire du PHP, du code en ligne, je vais vous prendre un exemple d'une fonction où finalement, alors ça c'est notre besoin récurrent, nous on cherche des devs dans la communauté. Donc j'ai imaginé une requête SQL qui est « je recherche dans la communauté des humains à la recherche d'un emploi éventuellement et qui sont fans de WordPress ». Donc ça c'est ma recherche. Cette recherche elle est compliquée, elle est longue. À chaque fois que je l'exécute, ça va prendre quelques minutes on va dire. Donc au lieu de l'exécuter à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais la stocker dans le cache, et pour ça je vais faire appel à la fonction wp-cache-set, et je vais prendre les résultats, et je vais les mettre en cache. Et la seconde fois que je vais exécuter ma recherche, eh bien, les données, avec la fonction wp-cache-get, on va aller récupérer les données qui sont en cache, directement, et on va s'éviter de faire une longue requête, qui effectivement, pour le coup, peut prendre plusieurs secondes. Donc par ce biais, et donc c'est un peu le mode de fonctionnement, on vient entre guillemets encadrer les fonctions qui sont complexes. J'encadre ma fonction du mécanisme d'API et je vais pouvoir facilement prendre une requête SQL. Donc là c'est un exemple, mais j'aurais pu remplacer par aller récupérer un flux d'offres d'emploi, aller récupérer un flux Facebook, aller lire un fichier CSV. Et je vais venir encadrer mes traitements complexes avec ces fonctions, principalement les deux principales, wp-cache-get, wp-cache-set. Alors, on a parlé de cache. Le cache objet, c'est bien beau, mais on va stocker où les données ? Parce qu'effectivement, qui dit cache, dit stockage de données quelque part.
Et donc, c'est là où c'est un peu complexe dans WordPress, c'est que nativement, il y a un cache objet, mais il est non persistant. Ça veut dire que quand vous exécutez WordPress, par exemple la table d'options, il prend toutes les options et il les charge en mémoire. C'est le fameux paramètre autoload. Et par défaut, toutes les options de WordPress, ben, elles sont chargées en mémoire. Et derrière, on peut dire à l'intégrateur de thème, on va pouvoir lui dire, tu peux appeler autant de fois getOption que tu as besoin dans ton thème, parce qu'en définitive, tu vas faire appel au cache objet. Sauf qu'effectivement, à chaque fois qu'on va venir rafraîchir la page, on va venir réalimenter, on va venir exécuter la requête SQL qui implante. Donc on est sur un cache objet qui est non persistant. Et pour gagner en performance, il va falloir le rendre persistant. Alors j'ai noté fichier. Fichier, c'était le mode de fonctionnement du cache objet avant WordPress 2.5. On pouvait effectivement, quand on activait le cache objet, faire en sorte que le cache se stocke dans les fichiers. Puis il s'est avéré que les fichiers, c'était plus lent que MySQL. Donc c'était un peu contre-productif. Donc pour cela, on peut stocker effectivement les données dans APC, donc dans différents points de stockage. Donc c'est des solutions serveurs qu'on peut installer comme extension à PHP. Donc j'en cite quelques-unes, APC et Xcache qui sont des solutions monoserveurs, Memcache et Redis qui sont des solutions plutôt multiserveurs. Redis est encore bien plus évolué que Memcache. Pour installer CacheObjet, c'est ce qu'on appelle les drop-in. Donc dans WordPress, on a des plugins, on a des mu plugins, et on a aussi des drop-in. Les drop-in, c'est utilisé pour ces fonctionnalités clés. On connaît le drop-in advanced-cache pour faire effectivement le cache statique. Bien pour le cache objet, c'est object-cache. Et ça permet de remplacer l'implémentation mémoire par celle de votre choix. À noter que c'est plutôt une techno, le cache objet, pour les hébergements virtualisés et dédiés. Généralement, les serveurs mutualisés ne proposent pas la fonctionnalité. Donc on ira choisir le drop-in en fonction du point de stockage. Donc là, je vous ai listé effectivement Memcache, APC et Redis. La présentation sera sur Internet, donc vous pourrez récupérer les URL, et c'est les meilleures implémentations disponibles. C'est les meilleures pourquoi? Parce qu'effectivement, des drop-in, il en existe beaucoup sur le marché, et vous en avez sur le référentiel de plugin. Le problème, c'est que la majorité de ces drop-in n'implémentent pas complètement l'API. Ils l'implémentent mal, et concrètement, ça va réduire l'efficacité du cache objet. Vous prenez l'extension officielle Memcache, vous n'avez pas passé de 125 à 75, vous avez passé de 125 à 100. Donc l'idée, effectivement, c'est de faire attention à choisir au bon drop-in, et le problème récurrent, c'est qu'on a une fonction wp-cache-get qui prend 4 paramètres, et le quatrième paramètre est très souvent oublié. Et il est très important, et sans rentrer dans les détails, parce que pour le coup, c'est un peu technique, c'est vraiment un paramètre qui permet de gagner en performance et qui est peu utilisé, donc baisse d'efficacité. À noter qu'il y a une constante dans la wp-cache API qui s'appelle wp-cache-key-salt et qui permet sur un même point de stockage d'avoir plusieurs projets WordPress. Vous avez 5 WordPress sur le même serveur. Pour éviter que les caches objets se mélangent et qu'il y ait des collusions de caches, on peut faire en sorte que le cache objet, on va lui mettre une clé unique et faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de conflit. À noter que le cache objet, ça se cumule très bien avec tous les autres caches cités, et notamment le cache statique. Et ce n'est pas parce qu'on a un cache statique que le cache objet n'a pas d'intérêt. Quand vous avez un site éditorial avec 2000 pages, eh bien, il faut bien imaginer que le cache statique, effectivement, va prendre la page, la mettre en cache pendant 24 heures ou 6 heures. Et qu'à chaque fois, on a de la régénération de page. Quand on passe une taille critique, comme par exemple 500 contenus ou plus de 1000 contenus, votre serveur ne fait que générer des pages en continu. Alors effectivement, la page d'accueil, elle sera générée moins souvent, parce qu'elle sera quasiment toujours disponible en cache, mais on passe énormément de temps à générer les pages en cache. Donc en définitive, le cache objet va aussi améliorer les performances. Il y a un lien très clair entre la WP Cache API et les Transient. Donc Transient est une autre API de WordPress pour gérer effectivement une sorte de cache de données. À partir du moment où vous activez le cache objet, les Transient, qui stockent par défaut dans les options, sont remplacés par la cache API. Donc c'est-à-dire que les données qui vont le stocker le seront dans le cache objet. Pensez, si vous n'utilisez pas de cache API, pas le cache objet d'une façon générale, à installer des plugins de type Transient Cleaner. Ce n'est pas du tout l'objet de la conférence, mais les transients, ça pollue la base, et par défaut, ils ne sont pas systématiquement supprimés. Donc il y a des plugins de type Transient Cleaner qui permettent automatiquement de garder votre base WordPress à jour, et c'est toujours pertinent d'essayer de gagner en perf. Les plugins qui vont bien contre avec le cache objet. On a des plugins pour les développeurs,
la debug bar, les extensions à la debug bar qui vont vous donner des informations très précises. Si je retourne sur mon installation et je clique sur le bouton debug bar, je vais pouvoir voir effectivement le nombre de requêtes SQL qui a été diminué et je vais pouvoir aussi voir ou pas d'ailleurs. Bon, raté. Mais logiquement, la debug bar permet en fait d'afficher le nombre d'items qui ont été lus dans le cache objet, le nombre d'items qui ont été ajoutés dans le cache objet et le nombre d'items qui ont été supprimés. Donc on a aussi une visibilité plus claire sur ce qui est récupéré en base et ce qui est récupéré en cache objet. Par ailleurs, pour améliorer les performances avec le cache objet, par défaut, on gagne x2, mais on peut aussi gagner beaucoup plus. Il y a des fonctions dans WordPress, les widgets, les menus, qui sont très consommatrices, les menus particulièrement. Afficher un menu de 200 items, ça peut prendre à lui tout seul une centaine de requêtes SQL, ou un peu moins, et ça peut effectivement aussi coûter du temps de CPU. Il y a des plugins qui s'appellent Voice Cache Nav, qui vont permettre de mettre en cache le menu dans sa globalité. Et c'est un vrai gain de performance. Pareil pour les widgets. L'autre point, et ça concerne vraiment pour le coup les communautés françaises, les communautés notamment asiatiques, le Japon particulièrement, c'est les fichiers de traduction. Les fichiers de traduction sont systématiquement lus à l'exécution de WordPress, pour faire la traduction tout simplement. Eh bien, la lecture de ces fichiers ralentit WordPress. Un WordPress anglais est beaucoup plus rapide qu'un WordPress français. Avec le cache objet, on diminue, avec un plugin comme MOCache, on diminue cette différence de performance. La traduction va être chargée en mémoire, on va arrêter de lire le fichier, et ça sera bien plus performant. Pour le détail technique, il existe une extension qui s'appelle Badcache, qui fait du cache statique. Au lieu de stocker dans les fichiers, comme la majorité des plugins de cette nature, eh ben il le stocke dans le cache objet. C'est aussi une possibilité. Ça a été développé pour WordPress.com il y a bien longtemps. C'est une alternative à Varnish pour éviter d'avoir des outils un peu complexes sur les serveurs. Et voilà, c'est faire du cache statique, mais le stocker dans le cache objet. Donc c'est un gain de performance, ça peut parfois être utile sur des projets un peu exotiques. Le problème avec le cache objet, mais comme avec tous les caches d'une façon générale, c'est les problèmes d'invalidation. Vous allez vous retrouver, vous allez mettre à jour une option en back-office, vous allez mettre à jour un article, et puis sur le front-office, vous voyez les anciennes données. C'est vraiment les problématiques récurrentes sur les technos de cache. C'est propre à la façon dont sont développées les extensions. Si c'est bien développé, le développeur aura pensé à gérer ces notions d'invalidation de cache. Si ce n'est pas le cas, vous aurez des problèmes. Donc, petit plugin pour faciliter la purge du cache. Vous l'activez, vous avez un bouton, et c'est ce qu'on voit effectivement dans mon back-office, ou pas, parce qu'effectivement, l'écran est tout petit. Mais j'avais un bouton flash cache, mais on ne le voit pas, parce que l'écran est trop petit. Donc, permet en un clic de vider le cache objet, si effectivement on a des problèmes d'invalidation. Quelques ressources sur le sujet. Je vous invite vraiment à aller voir la documentation de Voice Platform, qui est une grosse plateforme sur WordPress et qui utilise le cache objet, qui a extrêmement bien documenté toutes les problématiques rencontrées par rapport à ça. C'est notamment eux qui réalisent les plugins de cache du menu et des widgets. Et sinon, pour les développeurs, le codex, qui d'une façon générale documente très bien la chose. Il faut savoir que dans WordPress, il y a beaucoup de cache, les fonctions de cache sont très souvent appelées, et dans les plugins, c'est très rarement le cas. Alors, pour ceux qui utilisent WPML, ils ont parlé d'une nouvelle version avec des meilleures performances. En fait, ce qu'ils ont ajouté, c'est le cache objet. Et depuis, WPML, ça ne consomme plus 300 requêtes SQL, ça en consomme moins, et puis ça les met aussi en cache. Donc c'est ça aussi qui améliore les performances. Fini. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour et merci, je m'appelle Antonin Bûcher, je suis chef de projet, donc je développe un petit peu, mais c'est surtout en termes de gestion de projet. Je travaille sur du WordPress et du Drupal, et on a une problématique actuellement sur un gros site Drupal, de requêtes SQL, effectivement, avec des temps de génération de pages qui sont acceptables, mais qui pourraient être vraiment optimisés. Et les développeurs avec qui je travaille sur le projet Drupal veulent intégrer Solar. Alors, est-ce que Solar répondrait aussi à cette problématique de cache et donc de génération de pages pour WordPress ? Je vais être honnête, je ne connais pas Solar. Ah, d'accord. Okay. Donc, du coup, c'est difficile de répondre.
Merci. Désolé. Bonjour, merci. Alors, c'était plus dans la démonstration tout à l'heure, vous avez montré un site premium, qui en gros, avec juste un seul fichier apparemment pour déclencher l'opcache, ça baissait la charge. Mais au niveau du code, ensuite vous avez montré l'utilisation de la fonction wp-cache-set, et ça sous-entendrait en fait qu'il faudrait remodifier le thème premium pour pouvoir ajouter tous ces crochets. En fait, l'idée, ce n'est pas vraiment de travailler au niveau du thème. Le thème, dans une conception un peu noble de WordPress, ça n'est que des fonctions d'appel qui vont faire des affichages. Logiquement, il n'y a pas de requête SQL générée dans le code d'un thème. Donc le travail de performance s'opère davantage au niveau des plugins, plus que le thème. Mais si effectivement vous avez implémenté dans votre thème une requête SQL avec une fonction, par exemple dans le fichier fonction.php, il faudrait effectivement repasser sur l'ensemble de vos fonctions pour venir faire le petit wrapper pour effectivement faire ce wp-cache-get ou wp-cache-set. Donc c'est pour ça qu'effectivement, le gain de performance est extrêmement variable. Si les plugins que vous utilisez supportent bien le cache-objet, et je vais citer par exemple ACF, vous allez gagner en perf, mais de façon astronomique. Si le plugin ne supporte absolument pas le cache-objet, vous n'allez rien gagner. Donc souvent, nous, sur des missions d'audit pour améliorer les performances, on se retrouve avec des développements spécifiques qui ne gèrent pas le cache-objet. Et concrètement, on va voir toutes les requêtes SQL. On retrouve la fonction, on implémente le cache-objet, et au fur et à mesure, les fonctions disparaissent de nos radars. Et on baisse, on gagne en performance, tout simplement parce qu'on n'a plus ces requêtes SQL qui peuvent être un peu lentes. Ou ces traitements externes. Donc ça peut nécessiter de redévelopper d'une façon générale. Et juste une précision, donc c'est quand on a vraiment une fonction qui va faire un appel très spécifique, pas de la peine de commencer à mettre ce genre de code sur les WP Query. Non, effectivement, WordPress l'implémente nativement. Quand vous activez le cache-objet, alors le mode de fonctionnement de WordPress, c'est vous récupérez par exemple les 10 articles pour un tag, il va exécuter 11 requêtes SQL. Une première qui détermine les 10 articles à afficher, et ensuite pour chaque article, il va faire une requête SQL. Donc quand vous activez le cache-objet, vous allez passer à une requête SQL. Les WP Query ne sont jamais mis en cache. Ce qui est mis en cache, c'est les WP Post. C'est vraiment les 10 requêtes SQL indépendantes qui viennent récupérer les articles. L'idée, ce n'est pas de suroptimiser non plus. Parce que plus on met des niveaux de cache, plus l'invalidation est compliquée à réaliser. Donc ça sera davantage sur je vais faire un fetch feed chez Facebook, chez Twitter, là je vais gérer le cache. Souvent, c'est le cas avec les transientes. C'est ce que font la majorité des plugins. Le WP cache objet en tire partie. Mais si vous, effectivement, vous faites des requêtes SQL, vous ouvrez des fichiers des fichiers CSV en live, ce genre de choses, c'est pertinent de venir ajouter le cache-objet. Si le cache-objet n'est pas implémenté, vous n'avez pas d'erreur, tout fonctionne bien. S'il est implémenté, vous bénéficiez du gain de performance. Ok, merci. Bonjour Charles. Justement, vous parlez d'ACF. Avec du cache-objet, vous recommandez l'usage pour récupérer les métafields des fonctions de WordPress en getMeta ou des thefields et compagnie ou getField ACF? Sur la question de getField, clairement, nous, on recommande d'utiliser les fonctions d'ACF. On part du principe que si vous avez installé ACF sur le projet, ça devient une brique indispensable qui ne pourra jamais être désinstallée. Et clairement, les fonctions d'ACF exploitent très bien le cache-objet. Donc, quitte à utiliser ACF, autant utiliser ces fonctions qui, en plus, sont bien développées et sont performantes. D'accord, merci. Salut Amaury. Tout à l'heure, tu as parlé d'un cache-objet pour le menu, un autre pour la traduction. Oui. S'il devrait avoir un indispensable sur un projet, ça serait lequel? Qu'est-ce qui serait indispensable à mettre en cache-objet sur tous les projets, par exemple? En fait, la différence entre le plugin de cache pour l'addon pour la traduction et l'addon pour les menus, c'est que l'addon pour la traduction, vous l'activez, il fonctionne, il n'y a rien à faire. Donc c'est le plus rapide à mettre en œuvre. Si vous êtes sur un projet français, le gain de performance peut être très important, notamment si vous avez beaucoup d'extensions. Nous, on s'est rendu compte sur des projets clients, avec 110 extensions, qu'est-ce qui est le plus lent sur le site à la génération? C'est de charger toutes les traductions. Et donc, dans ce cas-là, précisément, c'est effectivement la traduction qui est le plus gros gain de performance. Maintenant, on a d'autres projets où on a 5-6 menus sur la page, des menus à 110-200 items. Et là, effectivement, c'était le plugin de menu qui faisait vraiment le gain de performance. Mais le plugin de menu impose de modifier le thème et de venir intervenir, donc c'est un peu plus coûteux en termes de temps. Donc c'est extrêmement variable. D'autres questions?
Bonjour. Bonjour. Je connaissais déjà les transients, je ne connaissais pas le cache-objet. Quand privilégier le cache-objet par rapport aux transients ? Alors, tout l'intérêt des transients, quand on les utilise, c'est de pouvoir être compatible avec tous les modes d'hébergement d'un site WordPress. C'est-à-dire que vous êtes sur un mutualisé, ça va fonctionner. Les transients, ça se prête vraiment bien aux accès externes, pas aux requêtes SQL. Ça veut dire que si vous faites une requête sur un site externe, Facebook, un fournisseur d'offres d'emploi, c'est idéal. Vous allez stocker, vous utilisez un nom de clé transient unique, en gros c'est mes 10 dernières offres d'emploi, et c'est terminé. Ça fonctionne bien, ça valide, ça fonctionne partout, pas de problème. Sur le cache-objet, c'est, comme ça crée déjà une dépendance, il faut effectivement que le serveur le supporte, ça sera moins compatible. Si vous faites des plugins open source, on va davantage recommander de gérer les transients pour ces appels-là et de gérer le cache-objet pour les requêtes SQL. Ensuite, le vrai problème des transients, c'est que comme il n'y a pas de... Et c'est pour ça que j'ai invité à installer Transient Cleaner ou ce type de plugin, c'est qu'il n'y a pas de purge des transients. Ça veut dire que si vous faites... Vous avez le meilleur de faire un transient avec un nom dynamique, par exemple, point post-ID, ce genre de choses, avec une variable dedans, eh bien, vous allez vous retrouver avec 200, 300, 500, 1000, 2000 transients. Et vous allez vous retrouver avec une table d'options. Et nous, on en trouve des tables d'options avec 30, 40 000 lignes de transients. Voilà. Donc c'est ça qui est un peu dangereux avec les transients. Et ce n'est pas forcément le meilleur outil pour faire du cache. C'est bien pour effectivement les services externes, pas les requêtes SQL. Pour compléter l'expérience sur les transients, dans le thème 2014, qui est livré avec, dans le bundle, il y a une utilisation des transients pour les six dernières images du banner. Donc là, il y a aussi intégré dedans la déconnexion si j'ai changé une des images. Effectivement. C'est un bon exemple, bien clair, bien propre. Dans 2010, ils ont effectivement fait un cas effectivement, avec le transient et la gestion de l'invalidation, qui est effectivement un sujet clé généralement. La dernière question. Donc tu as pas mal insisté sur le fait que les plugins devraient utiliser le cache-objet. En règle générale, et sur le fait que les transientes, ça ne remplace pas très bien une grosse requête SQL. Alors je me pose une question. Quand tu vas agréger le résultat de plein de requêtes SQL, de le stocker dans une transiente, tu peux quand même avoir un gain de performance. Clairement. Mais effectivement, tu peux aussi vouloir le stocker en cache-objet. Est-ce qu'il y a un moyen pour le plugin de vérifier que le cache-objet est supporté pour dire, tiens, s'il y a le cache-objet, je fais du cache-objet, sinon je fais du transient. En fait, l'API des transients est substituée au cache-objet si le cache-objet est présent. Ah oui, à partir du moment où vous allez activer le cache-objet, les fonctions de transient ne vont plus stocker dans la table des options, ils vont stocker dans le cache-objet. Pour autant, comme effectivement, en fonction des contextes, il ne faut pas créer des noms de transients dynamiques ou uniques, parce que là, pour le coup, vous n'en sortez plus. Mais voilà, ça veut dire que le transient bénéficie vraiment du cache-objet d'une façon générale. Merci. Merci Amaury. Merci à vous.